Bien, alors, c'est des assises qui étaient attendues. Attendues pourquoi? Parce qu'il s'agit de redonner de la cohérence à notre système fiscal, aller vers une exigence qui est aujourd'hui critique, qui est celle de l'exigence de l'équité, de la transparence et également de la visibilité. Je pense que la CGM, en tant que secteur privé, avant les assises et pendant la préparation des assises, s'est énormément impliqué, a mobilisé toutes ses fédérations, ses régions, ses experts. Elle a fait partie du conseil scientifique, elle a participé aux différents ateliers thématiques. Et nous avons apporté notre contribution avec notre vision. Le secteur privé est important pour l'économie nationale. Mais pour qu'un secteur privé soit véritablement contributeur sur un plan fiscal, mais également stimulateur à travers l'investissement et la création d'emplois qui conduit à la croissance, il faut que l'environnement soit assaini, que la vision stratégique sur le plan économique soit claire et également qu'on apporte en termes d'accompagnement et d'adaptation les moyens nécessaires pour pouvoir intégrer, rendre beaucoup plus solides nos PME et nos TPE. Il ne pourra pas y avoir d'élargissement si les entreprises ne sont pas en bonne santé. Et nos entreprises, beaucoup d'entre elles ne sont pas en bonne santé et il faut s'en rendre compte. Deuxièmement, il faut aller vers un système basé sur des principes. La loi cadre, c'est des principes. Et ces principes doivent être validés avant la prochaine loi de finances. On ne peut pas, parce que la réforme est sur 5 ans, on ne va pas encore attendre une année pour adopter des principes qui doivent être, qui convergent vers la vision des uns et des autres. Et une loi cadre va nous permettre de rentrer dans une programmation sur 5 ans. Troisièmement, il n'y a pas de réforme s'il n'y a pas de réduction de la pression fiscale. On ne dit pas de réduire la pression fiscale pour réduire la pression fiscale, mais toutes les réformes qui ont été menées dans plusieurs pays sur les 5-7 dernières années, toutes ont conduit à une réduction de la pression fiscale. Donc, on n'est pas un pays isolé, nous sommes un pays en compétition. Il est important d'intégrer un principe. La CGM parle d'un taux de 20% et le débat sera autour de ces questions-là. Quatrièmement, une politique fiscale n'est pas isolée d'une politique économique. Notre nouveau modèle économique et social sur lequel qui va constituer ce socle sur lequel naturellement notre politique fiscale doit se greffer. Mais il n'y a pas de solution ou d'ambition si on ne simplifie pas, si on ne clarifie pas, si on ne va pas vers l'équité exigée. Pas uniquement par les opérateurs économiques, mais par toute la société. Il n'y aura pas d'avancée non plus si il n'y a pas un assainissement de la relation entre l'administration fiscale et le citoyen, et si le citoyen, naturellement, et les entreprises aussi, ne s'engagent sur un plan éthique pour remplir leur rôle de citoyenneté en payant leurs impôts. Donc, il y a un consensus aujourd'hui sur des principes. Et ces principes doivent guider notre action et nous devons travailler la main dans la main. Je terminerai en disant, il n'y a pas de réforme de cette ampleur sans engagement politique. C'est des réformes d'État. C'est des réformes qui sont menées au niveau du pays. Et donc, nécessairement, ces réformes doivent être portées par les politiques et par, naturellement, le gouvernement. Et j'ai beaucoup insisté sur cela. Parce qu'il ne faut pas, quand on engage des réformes, et des réformes qui vont dans le sens du bien-être de la société et des acteurs de la société, reculer à chaque fois à la moindre difficulté. Il faut assumer ses responsabilités. J'appelle tout le monde à assumer ses responsabilités, comme j'appelle le gouvernement à finaliser et faire adopter la loi cadre de programmation avant la présentation de la loi de finances. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.